te la remets au mid. Bien joué. J'ai remarqué un truc, c'est quand t'avais un mec qui remettait très souvent les ballons au mid et qu'il y a un gars qui arrive de la deuxième ligne, genre pour faire un centre et tout, comme là maintenant, j'aurais pu la prendre. Oh magnifique! Les gars, regardez, regardez! Elle est magnifique, les gars! Vous avez vu ce que j'ai fait? Les gars, celle-là, elle pète sa race! Retournez du milieu de terrain, regardez, les gars! Avec la roue avant! Je suis un faux pas! Allez, je remets notre petit Belzo. Oh, une 7 aux commandes aujourd'hui de ce qui va être une vidéo sur Rocket League. Alors les amis, Rocket League, c'est quoi pour ceux qui ne sauraient pas? C'est simple, c'est un jeu dont on a tout le temps, voilà, rêvé. Nous autres petits garçons qui jouions avec nos voitures, on aime le foot, on aime les bagnoles. Ah bah c'est hyper simple, tu joues au foot avec des bagnoles. Et tu peux également aussi jouer, ok, mais également au basket. Et aujourd'hui, je vous propose mon jeu du moment. C'est une rediffusion surtout, voilà, de mon stream, d'où la qualité un peu moindre, mais qui reste tout aussi bonne, bien entendu. J'étais très fatigué, j'avais un torticolis ce jour-là. Du coup, j'ai mis le petit Belzébub, le petit le petit bébé qui danse un peu tout nous sur le lit. C'est un peu moi, si tu veux, tu vois. Et je remettrai la facecam, tu vas le voir à la fin de cette vidéo. On parlait vite fait. Un peu, bon voilà, des youtubeurs que je suis, que je ne suis pas, etc. Je donnais un peu mon ressenti, les gens me posaient des questions sur le stream. N'hésitez pas à me rejoindre et bah, liker si vous kiffez ça. Je vous propose quand même l'une de mes meilleures games sur Rocket League pour le moment. C'était Grony, je vous souhaite un excellent visionnage. Let's go. On va dire des vidéos que j'aime, tu vois. Et principalement, c'est très souvent des youtubeurs ricains. Voilà, les peu de FR que je suis sont des mecs originaux. Je pense... ben, à Chris, que vous devez connaître, hein, Poisson Fécond. J'aime bien aussi Jaya. Oh shit, man. Ah, et GG Skylex, bien joué, gros. Style, il me dit Cyprien. Moi, je trouve que Cyprien, mec, il fait du bon contenu. Hein. Après, les gens sont déjà loups, parce que voilà, c'est un millionnaire et il a réussi sa vie grâce à YouTube. Moi, je trouve qu'au contraire, il est extrêmement intelligent et qu'en plus, il s'investit énormément dans ce qu'il fait. Et limite, il a un bon parcours, comme on dit. Tu vois? Dégage la balle ici, mon pote. Ah, les goals de taré, t'as vu? C'est excellent, je te jure. Anas, il fait du très bon contenu. J'aime beaucoup le blédard. Il est très très bon dans ce qu'il fait. KSI, tu connais, youtubeur FIFA. Tonio, pourquoi il fait des vidéos pour Kikou? Parce qu'il sait très bien que c'est ceux qui regardent le plus de vidéos sur YouTube. Tu vois? Il sait très très bien. Tu fais des vidéos, en fait tu fais des vidéos, on va dire avec les Minia ou les titres qui ressemblent beaucoup à Hugo Posé. Tu es sûr et certain que tes vidéos vont attirer les jeunes de 12-16 ans parce que généralement ils adorent des vidéos un peu débiles. Tu vois, dans lesquelles tu clashes de la merde, tu blasphèmes et tout ce que je déteste comme on dit. Eh putain les gars, je suis en train de faire un match de ouf, tu vois. Ben un mec, quoi? T'as bien fait de le frapper à la ceinture, gros, je te jure. Il a dit Grony, il part en couille, à la base, t'es du COD, c'est faux. Tu sais, les mecs qui disent ça généralement sur moi sont des gens qui me connaissent plus BO3, frère. Vraiment. Tu me la centres ou quoi, Face? Putain. Putain, mais je suis on fire, les gars! Mais. Je suis en train de vous faire un match de folie, les bros. C'est de la folie. Ah, je vous jure, c'est de la folie ce que je vous fais, les gars. Oh non. Eh, c'est insane. 5-0, les gars. Oh mon dieu. Je me
skin. En plus, Hugo Posé, c'est un type qui est abonné à ma chaîne. Je sais pas si vous le savez, ça, les gars. Hugo Posé, il est quand même abonné à ma chaîne, faut pas croire. À la base, il aimait bien tout ce qui était COD et tout, tu vois. Puis il a compris que YouTube, pour percer, il fallait surtout faire du fun et du délai. Et il a un putain de montage au talent. Et un talent en montage, excusez-moi, tu vois. Ma langue a fourché. Donc ça, c'est indéniable, tu vois. Après, c'est du contenu qui ne m'attirera pas, moi. Je sais que la génération d'aujourd'hui, là, ils adorent des trucs un peu bizarres. C'est pas forcément mon style, et c'est pour ça que ça m'énerve parfois, moi, d'avoir des gens qui sont, on va dire, dans cette optique-là. Holy shit, dude. Oh! Je l'ai dévié du capot, les gars. Eh, but en marche arrière. Regardez, il a tiré sur moi, c'est moi qui l'ai dévié. Oh, la chance de fou, regarde, regarde. Oh mon dieu, avec mon gros popotin, j'ai marqué avec mon gros popotin, les gars, 6-0, c'est de la folie. La dégage. Allez, tiens, je la dégage, frère. L'attaque, c'est bien, la défense aussi, c'est cool, tu vois. Oui, regardez, regardez, les gars. Oh, les gars, 7-0, la fierté d'Hélène. C'est quoi ce trophée, là? Regardez, une retournée du milieu de terrain. Je suis vraiment un ouf, je vous jure que je suis un fou. Je suis un taré, les gars. Il reste une minute, je leur ai mis 7-0, les frères. C'est un truc de taré. Nucléaire sur Rocket League. Oh, c'est trop sage, ce jeu. Et franchement, je suis on fire, les gars. Oh, le voleur derrière. Oh non. T'aurais dû me la laisser, gros. Non, 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 non. J'ai merdé dans le cassoulet. Oui. 8-0, les gars. 8-0, regardez le boost. Regardez le boost intelligent, regardez. Oh my god, no way. No way. No way, Grony. Grony. Oh lord. Poto. Les gars, je pense que c'est ma plus belle game de tout Rocket League pour le moment. Vraiment, j'ai déjà fait des 6-7-0, mais là le 8-0, il est vraiment exceptionnel. On essaye? Oh non! Oh lord! Oh non! Non, c'est terrible! Wesh, les gars! 6 tirs, 7 goals, 1180 de score! Je fais une dédicace, les gars, Face Mirror. Je fais une dédicace, les gars, Face Mirror. J'avais pas mis la Facecom parce que je suis grave crevé aujourd'hui. Et je vais quand même la poster sur YouTube, celle-ci, parce que je pense qu'elle est limite meilleure que l'autre. Bombardez les likes, les gars, si vous regardez cette vidéo. C'était Grony, portez-vous bien. Bye bye YouTube. N'hésitez pas à me rejoindre en live stream. Toutes les infos sont en description.